Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Starship Trooper. On reprend notre petite mission. Alors du coup, les insectes s'infiltraient dans les égouts, non, dans le métro. La surprise est totale. Alors lançons l'attaque. Et a priori, on va avoir des bombes. Alors c'est bizarre si on est en souterrain, des bombardiers, mais admettons. And you're sure this is the best way down to the maintenance tunnels? To keep us off the streets? Yes. HQ will give us quick access into the heart of the water main system. And candidly, I'd like to check on my colleagues too. It ain't looking too good from where I'm sitting. We'll do our best to support whoever's in there. Hear that, troopers? I want this station locked down with an AA ring all the way around these rooftops. Go! Tools at the ready. Ok. Construisez des lanceurs SAM aux endroits indiqués. Très bien. On a des snipers. Quoi pas? Faut faire rien venir d'autre, j'imagine. C'est peut-être un petit peu abusé pour péter du frelon, mais ça fait le taf. Du coup, on peut faire unité lance-roquette, unité cage, escouade anti-émeute. J'aime bien le cage, en vrai, franchement. Par contre, avec un... tout ce qu'on peut faire, c'est un technicien ou un officier stratégique. Après, on pourra virer notre technicien et le remplacer par un cache, peut-être. Ça coûte combien? 2. Ouais, on va faire ça. Quoi qu'on peut faire des nouvelles tourelles. Bon, le SAM nous permet de réfléchir un peu tranquillement au calme, mais il va falloir qu'on avance. Hein. Ok, pour le moment, on va garder les techniciens. On va voir ce qu'on peut faire avec ce qu'on a là. Couvert par le SAM, déjà. Ok, déployez-vous par là. Les snipers, ils sont très bien placés, là. Est-ce qu'ils peuvent tirer sur ça, les snipers? Ah, ils font des dégâts honnêtes. Pendant que les autres gèrent la foule. Alors là, il y a un tunnel là-bas et la ruche ici. Ok. On va finir la ruche. On va avancer un petit peu. Allez, un dernier tir de snipe sur la ruche et on est bien. Mettez-vous dans l'angle, vous. Ah putain, c'était quoi ça? C'était qui nous a balancé ça sur la mouille? Ok, très bien. Bah, on va en faire venir un autre et on va faire venir un cache du coup. Il y avait un éclateur quelque part, je ne sais pas où, je pense. Je vois que ça pour avoir défoncé autant que ça le... Poser des petits trucs explosifs. Il est peut-être en bas là. Ils peuvent tirer en cloche. Ok, on va placer notre technicien ici. Alors le problème c'est qu'on va devoir avancer jusque là pour gérer ça tout en gérant ce qu'il y a derrière. Mais le SAM va nous aider. Ok, avançons jusque là. Non, il nous voit reculer. Non, les snipers, c'est pas les cons. On va gérer les premières vagues déjà. En plus, ça va repopper par là. Il y a toujours le nid de frelon là. On y va tranquille. Toi, tu tires même pas. Ça va, t'es tranquille? Canon anti-recul pour les insectes, c'est quand même le must. Hein. Voilà, on va les défoncer rapidement. Ah mais non, c'est des bombardiers, putain. Bombardiers, c'est plus des insectes peuvent se mettre en boule pour se déplacer quand ils attaquent. Ah la saloperie quoi. En plus ça explose hyper vite.
toi, va te soigner. Merde, c'est pas la bonne que j'ai sectionnée, forcément. Ici, on va avancer. Non, on va pas avancer parce qu'il y a encore plein de monde. On va gérer ces cons. Je leur ai dit de pas tirer, là. Merde. Le truc qui peut te coûter une partie, quoi. Allez, go. Pointez-vous. Alors non, vous plutôt devant avec vos petits drones. Là, on se déploie. On a un petit peu trop avancé. On va grenader. Non, il se fait défoncer, la vache. C'est de fou comment il se fait défoncer. Viens te mettre par là. Et pète-nous ça, plutôt. Voilà. Et là, du coup, la ruche est vide, là. Go, 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 go. On est un peu loin, là. Mais on va, je pense, pouvoir neutraliser la ruche juste à temps. Quel peu de bol. Ah, il a popé. Ok, ça tire dedans. Putain, la ruche qui est pas vide, là. Ok, on a réussi. Excellent. My assault task force has arrived right on cue. They will make their way into the police HQ and secure the comm satellite on the rooftop. Bonne idée. We've only got a small window for them to take control of the station's roof. The bugs will get wise soon. The flyboys better be thanking us. Second SAM site has been deployed. Ah, putain. Ah, on n'a pas réussi à gérer la... Et toi, pourquoi tu tires pas? Putain, ils sont... en fait, on n'a pas réussi à gérer le truc. Très bien. Merde, c'est parce que je voulais faire. Non, mais si, ils sont où mes troupes? Ah, mais du coup, non, ça veut dire que eux là-bas, là, ils ont... Oh la vache, on s'est tellement fait péter. Et eux, du coup, là-bas, ils nous prennent des... Ils nous prennent des troupes. Oh la vache, quel enfer. Bon. Ça, ça sera les squads 2. Ça, c'est un petit bug un peu désagréable, je dois dire. Parce que du coup, on va en chier comme des rats, là. On va devoir attendre que la serre pop. Alors, vous. Alors, le Pegasus, qu'est-ce qu'il fait dans sa vie? L'hélicoptère de combat est équipé d'une gamme de systèmes d'armement, afin de pouvoir venir à bout de diverses cibles au sol. Sa mitrailleuse offre des tirs d'appui, tandis que ses lance-roquettes participent à neutraliser les cibles les plus coriaces. Il peut également tirer sur des cibles volantes grâce à sa mitrailleuse, bien que ce ne soit pas sa spécialité. Alors, on peut faire un barrage de roquettes. Ok, qui est efficace contre les ennemis lourdement blindés, excellent. Un missile... Il ira directement toucher sa cible, même contre les ennemis non statiques, et infligera de lourds dégâts. Ok, donc un missile guidé et une bombe. Qui est celle qu'il faut qu'on vise, du coup. A priori. Du coup, il faut qu'on aille jusqu'ici. Ok, bah allons-y. Progressons jusque-là. Ici, du coup... Progressons jusqu'ici. Non, ils arrivent. Vas-y. Roquette-nous ça, toi. Excellent, merci. Il y a une tourelle à construire par là-bas. Pourquoi pas? Ah, je suis blasé de notre problème ici, là. Ah, qu'est-ce que vous foutez? Défoncez-moi ça. Sérieux. On peut le réparer, lui? Comment ça se passe? Pas l'impression. Ok, soigne-toi. Il nous faudrait un cage.
pouvoir à la fois réparer. Préparer la défense, oui, bien sûr. Ici, il faut foncer là-dedans. Là. Voilà, le cage, viens là. On a terminé la construction. On en fait une ici. Défendez le toit du QG. Construisez les tourelles. Ça, on en a fait 1 sur 5 du coup. Bon, ici, il faut me la prendre cette fois. Hein. Ça va bien les conneries. Ok, parfait. Ici. Toi, va réparer ça. Toi, va prendre ça. Oh, ça y est, t'es sorti là. Vous êtes sorti, vous. Arrêtez les conneries. Ah, mais putain. Vous. Soignez-vous. Je sais pas si je vais pouvoir continuer de m'en servir de eux. Je vais peut-être devoir les renvoyer si je peux progresser par là. Ok, très bien. Ici. Tourelle à missile, alors ça fait quoi? Un très long portail, ils sont dans de grandes distances, sont en recharge sans sonic. Ils peuvent être tirés par-dessus des obstacles. On va la poser là du coup. Là on s'est fait défoncer, je ne sais pas par quoi, mais ça a piqué le cul. On peut faire venir d'autres mondes? Non, ok. On va continuer de défendre le QG. Hop. Notre escouade 1. C'est bon, elle est prête. On va se déployer par là. Est-ce qu'avec notre petit 5, on peut pas faire un truc cool? Un M7 Cyclone? Non, il nous faut 20. La mer, pareil, 20. Ok, là, c'est mort. On a ça, du coup. On a une plateforme disponible. On peut faire le Cyclone ou les escouades anti-émeutes. On veut défendre, donc on va faire les escouades anti-émeutes, je pense. Où est le dernier? Putain, mais bougez-vous les fesses, sérieusement. Des grenadiers plasma correspondent au rôle d'artillerie à moyenne portée. Excellent. Justement, je me disais qu'on était plutôt tranquille. Et toi? Alors, ils sont où ces enfoirés? On va se mettre par là, par exemple. Pour l'instant, je les vois pas. Faudra qu'on arrive à avancer par là-bas et à gérer ça. Ouais, ce serait carrément jouable, je pense. Alors, pour le moment, j'ai vu personne. Hein. Est-ce que vous pouvez capturer ça? Tant qu'à faire. Ici, en 1. On peut prendre l'ascenseur par là. D'accord, ça, c'est des ascenseurs qui nous permettent de progresser. Ok. Fort bien. Déjà, prenons ça. Toi, tu peux aller chercher ça. Non, tu peux pas aller chercher ça. Recule. Ok, on va balancer un petit coup de missile là-dessus. C'est pas sa spécialité, effectivement. Il galère à buter des frelons, hein. Vas-y, défonce ça si possible. Ici, du coup, on va aller par là. Ah putain, c'est chaud de les sectionner. Hein. Alors là, on peut faire une nouvelle tourelle. On va faire une petite tourelle à mortier ici pour se préparer à défendre. Ici, on se déploie.
On va envoyer des cocos là-bas. Non, les snipers sont élites. Ah putain, ça c'est du... C'est qui nous tire dessus là, ça venait d'où? D'où ça venait cette saloperie? Du coup, les snipers. Tir paralysant, capteur fusée. Ça va être très utile. Ok, là on a réussi à gérer ça. On rentre. Le tunnel va à cette ruche qui va ici. Ok, très bien. On se déploie par là, s'il vous plaît. Alors, est-ce que notre cage, si je le mets genre vraiment dans le coin là... Ouais, il peut tirer là-dessus. Parfait. Non, tu peux pas? Merde. Ah, il peut pas tirer là-dessus. Ça, c'est chiant. Il peut se aller par là-bas et préparer la tourelle. Ils arrivent à tirer dessus, par contre. Vas-y, répare ça. Tranquillou bilou dans leur dos. Alors ici, on peut sortir un nouvel hélico. On va sortir un nouvel hélico. C'est instantané, en plus. Et on va essayer de progresser par là. Les criquets, ceux-là, on les connaît. C'est des petits arachnides volants qui suppriment les ennemis. On peut faire le dernier truc. Ok. Hoppers incoming. Keep low and blow those buzzards out of the sky. Bugs are heading for the police HQ. Prepare the defenses. C'était pas hyper efficace, hein, honnêtement. We've got plasma bugs covering the next SAM position. I'm trusting in you fly boys. Wow. To deal with that. Sick the gunships on them. Ding ya. Alors, on va peut-être se replier en fait. Pour le moment, essayer d'avancer plutôt par là. Putain, ici je les ai un peu oubliés les mecs. Merde, ils se sont fait défoncer. On avait bien avancé en plus. Il doit y avoir des trucs qui nous ont bombardés. Bon, il va falloir qu'on fasse venir du monde. On a perdu quoi? Un sniper. En fait, ça va. On a perdu un sniper, par contre, ils sont dans le mal. Hein. Merde, j'aurais peut-être pu prendre un opérateur radio, ça coûte 2, et le sniper, ça coûte 2. Ok, donc, je suis désolé, les gars. Vous repartez. Et on va devoir faire venir un opérateur radio, plutôt. Ouf. Ah oui, putain, il y a... Ouais, bon, ça va. Il va s'en occuper, lui. Toi, tu te soignes. Toi, tu te soignes. Ici, du coup. Ah, la vache, l'enfoiré. Et toi, tu tires pas dessus. Pourquoi tu tires pas dessus? Oh, la vache, quel enfer. Allez, shoot-les. Vite avant qu'il tire. Il tire sur la tourelle, ça va. Alors sérieux, pourquoi le SAM ne tire pas? Je ne sais pas, peut-être qu'il tire que sur les volants. Ah oui, c'est du SAM, je suis con. Probablement ça. Alors sauf que du coup, c'est un peu la merde en termes de puissance de feu, du coup. Allez, dites-moi qu'on peut déployer un truc là. Ah, on peut pas déployer. Sérieux. Nulle part. Ah mais en fait, il y a un truc radio juste là, sérieusement. Ok, il y a un truc radio juste là, donc toi tu vas pouvoir te barrer. Allez, c'est parti. On se soigne.
On se soigne. Toi, du coup, tu vas repartir gentiment. On va faire tomber cette ruche cette fois un peu plus sérieusement. On va se prendre une unité de lance-roquette plutôt que le snipe. Voilà, eux ils s'en vont, voilà. Ok. Merde. Oh putain. Ah les cons. Juste ils se sont jetés dessus quoi. Ok, là ça tue le plasma en avant. On va aller faire tomber ces deux trucs-là. Là. Ce serait bien si on chopait peut-être un petit Pegasus, là. On va en avoir besoin pour gérer les corneaux, là. Ah putain, il y en a un autre de l'autre côté, là. Bouge-toi! Bouge-toi! Putain. Bah ouais, le SAM et HS, je sais bien que le SAM et HS, je fais ce que je peux, mais bon... Désolé, quoi. Oh la vache. Ah ah, les foutus bombardiers, quoi. C'est ouf. Allez, on pète le cul de ça, parfait. On avance. On avance, on avance. Ici, on est dans quel état pour notre défense? Elle est correcte. On a perdu les snipers, visiblement. On peut pas les faire revenir, on peut les faire revenir en avant. Ici ça se passe comment? Pas trop mal. Là tu serais bien à aller réparer ça s'il te plaît. Tant qu'à faire pour s'occuper des volants, ce serait très très bien. Oh le saloperie. En arrière. Parfait. Allez, on avance. Il faut qu'on fasse tomber ce tunnel là. Ah merde. Il est où lui? Putain, il est tout là-bas. Sérieusement. Il y a des petits bombardiers de partout. Il y en avait un là-bas là. C'est lui qui nous a tiré dessus. Ah, les bombardiers, c'est infernal hein. Faut y aller là. Non, elle va repopper, putain. On va s'en débarrasser vite fait. Préparez-vous, donc là ça va être bon. On va pouvoir, je pense, gérer cette vague facilement. Allez, défoncez-les. C'est parti. Un 5, un 5. Ok, on va gérer cette ruche. Excellent. Là. Alors, t'as quoi du coup? La bombe. Ok, c'est bon, replie-toi. Ok, donc celle-ci, c'est bon. Croissance de ruche. Pourquoi je suis pas surpris? On va aller récupérer le loot. La suite, ça va être par là. En avant. Allez, on capture ça. Excellent. Excellent. Cache de matériel. Ça va nous permettre peut-être une petite
Non, pas une tourelle balistique supplémentaire. Vous, vous pouvez pas aller là-bas. On va faire une petite tourelle amortie, du coup, ici plutôt. Là, on peut se soigner d'un. En avant, là, on a récupéré des snipers. On va les poser par là, par exemple. Par ici. Vous reprenez cette ligne. Là, on continue de tenir. Allez. On peut faire venir d'autres mondes. Quoi d'autre? Un sniper, un opérateur radio, un officier. Un cage, une lance-roquette. Non, pour le moment, pas besoin. Là, on va faire la jonction avec le QG. Ce sera déjà pas mal. Détruisez deux plasmas. Ah oui, c'est les plasmas qui sont là-bas. C'est les gros. Je me disais pourquoi ça ne marche pas. On a déjà défoncé un certain nombre quand même. Ok, ici on va peut-être avoir une vague. Ouais, on va avoir une vague. Placez-vous en défense. Vous allez me l'accueillir. Là, il y a un grenadier. Et cool, c'est qu'on arrive à le stun. Ok, ça fait le taf. Ça, c'est des provisions. Excellent. Ok, là, on va voir de quoi... Ok, il passe par là, c'est bon. On va voir de quoi attaquer, là. Gérer les nids de frelons. On peut faire venir du monde. Une escouade anti-émeute. NKD. Petite escouade anti-émeute pour tanker, là. Alors, déployez-vous par là. On a de nouveau 15. J'ai presque envie de faire un cyclone quand même. C'est combien le cyclone? C'est 3. Ouais, donc il faudrait que je renvoie eux. Ouais, on va renvoyer eux. On va démonter une tourelle, probablement celle-ci. On va faire venir un cyclone. Normalement, on va voir ce qu'il faut quand ils seront repartis. Yes. C'est parti. Il nous reste 10, c'est pas ultra optimal, mais bon. On peut même se prendre un petit officier stratégique. Ok, donc là on va faire notre force d'attaque. Par ici, toi tu viens. On va laisser eux défendre, alors on va plutôt laisser lui défendre. Et on va récupérer lui avec sa bombe. La bombe fait quoi? Elle explose au bout d'une courte durée. Bah écoutez, parfait. On va dire... Ah, ils nous coincent ici, les enfoirés. Oh! Dingue! Vas-y, défoncez Lenny. Parfait, tenez-la pour le moment. Il nous faut un autre Pegasus, du coup. Viens là, toi. Toi, construis ça. Toi, t'as pris ton petit niveau. Tac, tac, tac. Où est notre Pegasus? Il est là. On va y aller à deux, du coup. Putain, le plasma launch en plein sur ça. En arrière. Allez, on défonce ça. La tourelle, elle a tenu. Oui.
peut aller récupérer. Là, on a un truc à prendre, là. Excellent. On se replie pour le moment. Et là, du coup, on peut repopper une petite tourelle anti, une tourelle machin, là. Poser là, tourelle à missile balistique. Est-ce qu'on peut voir les succès? 5 frelons avec capacité bombe subjugante et 15 grenadiers avec les... Ok, c'est avec des grenadiers, des tourelles qu'on doit tuer ces trucs, les grenadiers. Très bien. Tu voulais pas réparer, toi? Si. Les bugs ont atteint le HQ. Fire at will. Franchement, ça me fait pas trop peur pour le moment. Là, il y a un truc à récupérer. Ok, on va pouvoir avancer ici. Sachant que là, il y a Ni. Déployez-vous par là. Toi ici. Vous là. Toi ici. Grenadier. Vous, allez péter ça. Toi, tu vas te mettre devant. Où est-ce qu'elle a attaqué notre tourelle? Ah oui, ici, elle s'est fait... Courez, les gars. Les grenadiers foutent la merde. Alors du coup, le tunnel relié à cette ruche qui va là et là. Ok. Et l'autre, il est tout là-bas. Ok. On va aller faire un petit tour par là-bas, voir ce que ça donne. Parfait. Quelques frelons là. Ouh, il y a du monde là. Allez, toi tu recules. Putain, on a pris cher. Faut faire vide avant qu'il y en ait d'autres qui arrivent là. Ah, en un, quel statut d'élite. Tac. Ok, on se replie par là. Oui, si on a souffert. Certainement des bombardiers qu'on a dû gérer comme on a pu. Ici, ça va repopper. Tenez la zone, vous. Ok, là, tunnel, tunnel, tunnel. Putain, il y a un paquet de tunnels. Et là, ça va repopper. On va les défoncer rapidement et après on avance. Est-ce qu'on peut faire venir du monde? On peut faire venir... un cage. Allez, c'est parti. On avance. Couvert par les Pegasus. Ah oui. Effectivement, ça... faut se déployer un peu mieux que ça, là. Ça ressemble à rien, ça. On n'a pas fait venir un cache de plus, si, complètement. Vous vous éloignez, là, parce que ça va popper. Ah, putain. Où est-ce qu'il est? Courez, courez. Il n'y a pas un nid de frelon là? Ouais, si, il y a un nid de frelon, bien sûr qu'il y a un nid de frelon. Toi, t'es trop à l'avant, en arrière. Là, faut avancer. Là, faut avancer. Là aussi. Ça a poupé dans notre dos. C'est quoi ça? Sérieusement, ils nous balancent des mi-bombes, quoi. On va faire venir un mec comme ça. On a perdu qui, là, pour que ça nous saute? Ah putain, on a perdu le Pegasus. Bon, je sais pas si du coup il a eu le temps de lancer sa bombe.
Elle est vide la ruche là. Putain, elle est vide. Grouillez-vous. Les renforts. Toi, va construire ça. Nous, on va se poser ici. On va tenir avec ce qu'on peut. Notre Pegasus, il vient. Ok, c'est géré. Excellent. Il y a un petit poste radio par là. Ok, parfait, ça tombe bien justement, on était plutôt au calme. Grosse bourse. Grosse bourse. Grosse bourse. Allez, grosse bourse, donne tout ce que t'as. Ok, on peut faire venir quoi? Là, faut se soigner. Là, on peut faire une toile à canon lourd. Là, on se soigne. Toi, tu vas venir ici. Toi, tu vas venir là. Vous revenez par ici. Et du coup, vous... Non. Ici. Toi, viens là. Ici, on se soigne. Il me semble qu'il y a un truc pour se déplacer, non ? Ah, hop. Les Pegasus, ils peuvent y aller à la main, jusqu'ici. Hop. On va rapatrier au plus vite les unités utiles. Vas-y, répare-moi cette tourelle vite fait. Venez par là. Ici, on se déplace de là jusqu'ici. Les squads de police à venir devant avec ces petits drones pour faire de la diversion. Là, c'est parfait. Hop. Hop. Ouf. Venez juste en dessous là, avec vos petits fusils à pompe si besoin. Toi, tu peux le faire aussi, tu peux pas le faire, toi. Donc viens à la main. Toi, tu peux le faire. En avant, on rajoute du rocket. Ici, peut-être. Non, il a pas eu le temps de balancer sa bombe, dommage ça. Ouf. Faudrait tirer sur ça plutôt là. Ça et ça. Hop. Là, on soigne. Lui il est arrivé, parfait. Excellent. Lago, nettoyez-moi ça. On va nettoyer ça plutôt. Recule, tu t'en sortiras pas tout seul. Hop, qui a été promu, vous? Recule-toi. Bon, tant pis. Il nous reste un mec ici, normalement. Ouais, les snipers. Allez, go. Wouhou, ils battent en retraite. Bien joué. Ouf. Then let's not waste any time. Follow me inside. You're on my app now. Ok, très bien. Bien Welsh. Ah, dommage, on en a fait 14. Et là, on a réussi à en tuer 3, mais l'envoyer chargé au milieu, c'est trop tendu. The presence of a brain bug leading the attacks on Mahanagar has been confirmed. Now that we know our enemy, we have the means to defeat it. Federal scientists have exposed a major weakness in the arachnid's offensive capabilities.
Armed with this tactical knowledge, the advanced water systems of Mahanagar will be used to flood the outer districts. Tens of thousands of bugs will drown, and the brain bug will remain trapped and isolated in the city center. Les humains avec eux. J'adore. J'adore les failles dans le plan. À chaque fois, c'est présenté en mode oui, on va tuer les insectes, tout le monde est en vie, etc. Mais c'est tellement massacre, quoi. Alors, 10 parasites d'un seul coup à l'aide du Tokiwalki explosif. Ouais, je l'ai pas trop testé, mais ça m'a l'air quand même assez compliqué à utiliser. Et là, traverser la réserve sans aucune perte. Bon, peut-être jouable, on va voir. Mais on verra ça lors du prochain épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très pour la suite. Ciao, ciao.